Donc euh, l'exercice 3, concours médecine 2020. Donc l'exercice 3, c'est une concours de médecine. Donc un or. Le noyau de Psymote est radioactif. L'écriture suivante donnée. Donc attend la PI. 212. 83. La 10 Le type 1. Réaténal polonium. 212. az Z1.

Aténal polonium, 212, Z1, plus la particule XAZ. C'est la transformation polonium? j'obtiens. polonium, 212, Z1, égale A2, 82, plus l'hélium, le alpha. D'accord. Il a pris un adjuste A2, y a. 212. D'accord? Moins 4. Il y a 208. Il a pas égypte de Z. Il a Z1. Il y a 82. Plus 2, il y a 84. D'accord. Donc, il yani, y a dit, il y a la transformation. Tiens, il y a 208. D'accord. On a dit qu'il y a 84. Hada la, la transformation numéro 2. Donc, pour la transformation numéro 1, il y a... 48 donc on est plus plus donc beta 48 48 c'est-à-dire on est bêta moins donc la proposition juste y a paye on a on égal on la transformation c'est bêta moins z1 c'est 80 et z2 égal à 208 d'accord c'est une exercice simple donc c'est le z, -z. الو إيه خصك تخدم مع لوجيك دابا غندوزو 4 سي شون ابليكاسيون دابا غندخلو 3 من الكو إيه هنا عندنا لو صوديوم ان 24 خصنا نعرفو في لا سيغي هادي غنخدم معاكم هاد غنخدمو على حساب لي بعدا نخدمو لي كاملين عاد نمشيو لخدمه اخرى دونك غادي نبداو نخدمو لي ديالغرام ديك نخدمو لي افين ديغرام اخر بحال هكا هو افين وعاد نخدموا لو رابور باش كل ديغرام تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه داكا لو نويو دو صوديوم 24 11 ايتان نويو راديو اكتيف بيتا موان ليكواسيون ايكري ليكواسيون ديال زانتيغراسيون دو نويو ساشون كون نويو فيس اوبتوني اي ام جي Premièrement, on a dit que n'a 24 11, ça a été MG, AZ plus un arabe à moins. Il y a plus un électron. Donc, la dernière loi de ça, on a 24 égale à a, plus a. Donc, 11 égale à Z moins Z. Donc, on va dire qu'on a 24, Z est 12. Donc, Mg, on dit le particulier 24, 12. Donc, le document c'est contre. Donc, comme document, on a un comme tel monnaie.

donc, euh, a tenu la loi de la décroissance radioactive. La loi de la décroissance radioactive, n, le nombre du noyau restant, ou le nombre du noyau initial fois l'exponentielle moins lambda t. Voilà la loi. La loi de la décroissance radioactive. Donc euh, Calculer la masse initiale de sodium. Donc, pour calculer la masse initiale de sodium, on a la relation de la quantité de matière. Il y a la masse sur la masse molaire. Il y a 1 sur 1 avogadro. D'accord. Donc, ici, la quantité de matière initiale. On a la masse initiale. On a n initial. Donc, pour trouver la masse, il y a le nombre de les molécules. Il y a 1 avogadro fois la masse de l'NA. Donc pour trouver N0, donc N0, il y a de la valeur. N0, il y a de la valeur. Il y 10, 10 à la puissance 20. Il y a 10. Puissance 20. Là, NA6,02, 10 à la puissance 23. Fois Na. Il a NA attend la masse molaire via là. Il a maintenant la masse molaire. Le la masse molaire. Il y a la masse molaire. Mais les grains. Pour d'autres, définir le temps de demi-vie, déterminer de graphiquement. Donc le temps de demi-vie, voilà la durée pour que désintégrer la moitié de l'échantillon. Donc, à 19, voir. Quelle la chimie On dira n t 1 demi. Il y a la valeur initiale sur 2. Il y a 10 sur 2, on dira 10 à la puissance 20. Il y 5, 10 à la puissance 20. D'accord, on va calque la 5. On dirait la projection, on la valeur. Donc, il a calqué à la 5. bras, 8. Donc, le temps de 2008 est à 8 heures. 2, 4, calculer la masse restante à l'échantillon. Donc, comme vous le savez, le diagramme, c'est le diagramme du noyaux restants. D'accord. 2, 4. On le, la masse restante. Donc la masse, on a. Le Donc il y a la masse restante ou le nombre de noyaux restants sur le nombre d'avocatron fois la masse molaire. Donc on va sur la date. On attend la date. La date, il y a le 20. Absolut 20. D'accord, on rend la projection. C'est la Normalement. D'accord, on a mis le 20, on va le me trouver à peu près, c'est le juge. Donc, c'est 2, 10 à la puissance 20, fois 24, c'est 6 à la puissance du juge, c'est 10, c'est 3, c'est 20. D'accord. Déterminez le nombre de noyaux produits, c'est-à-dire désintégrés, dans la date, parce que quand les dates, on peut les mettre dans les dates. D'accord

Le nombre désintégré. Le la valeur N0, ou le nombre restant, plus le nombre désintégré. Donc, le nombre désintégré, ou le nombre initial, moins le nombre restant. Le nombre initial, ou 10, 10 à la puissance 20, moins 2,8, 10 à la puissance 20. Donc, on a 7,2, 10 à la puissance 20. Et le nombre produit, la date. L'exercice 5 donc l'exercice 5 euh, sciences physiques elle alpha fait une de donc cet exercice se proposait d'étudier un, un stimulateur cardiaque de plutonium 238 écrire l'équation des intégrations alpha de plutonium en édition identifiant le noyau fils